Bagay yo mélange, oui, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Gen yon parmi quatre nouveaux suspects FBI arrêté yo. Yon la dan yo, c'est yon informateur actif pour FBI encore. Ou ta remè kon ki es liye? Peut-être pas mande ki sa Yannick Abdila, yon informateur actif FBI, et bien rete la mbral ba ou plus détail nan yon ti moment. Hop, tout profite kon ki es liye. Ancienne première dame nan Martine Moïse li réagit après arrestation quatre nouveaux suspects sa yo. Ou pral gagner plus de détails nan yon ti moment. Gagné avocat Jean la guerre civile lan, gagné avocat James Solaja en Haïti qui yo même y a voyé pied là monsieur yo fâché yo estomaqué yo di yo pas comprendre rien dans sa la justice haïtienne après régler ak dossier yo, puisque c'est rete yo tande client yo a quitté Haïti droit direct aux États-Unis. Hey, dossier Jovenel la bay nèg yo 20 minutes tout bon en dedans la République. Journée jodi 15 février à demain 16 février, gagnon gros chita parler, gagnon gros rencontre là qui a fait avec différents pays dans Caraïbes blanc dans cadre yon réunion CARICOM organisé. Dans réunion ça, a gagné premier ministre canadien Justin Trudeau qui a participé là-dedans et tout a gagné responsable a gagné différents autorités en Haïti qui ont même toi participé dans réunion. Eh bien premier ministre Justin Trudeau lui annoncé que dossier Haïti a absous table et c'est une préoccupation pays Canada gagné pour yo aider Haïti continuer rete jam camper tête raide pour yo faire face à insécurité gang kapta et bandan en Haïti problème et problème politique pays d'Haïti gagné à tout problème humanitaire. On va gagner plus de détails, plusieurs autres points n'a gagné pour nous développer pour aujourd'hui là dans l'émission. M'a invité ou sous pourquoi abonner, activer petite cloche notification pour pas rater aucune vidéo puisque là ou sous taxe 509 tout haïtien connecté, m'bon garanti ou a besoin bonne information sans force côté niveau et monter. M'a rappelé ou des micro présentation. C'est toujours même Yannick la même voix, rien pas changé. Jodi en tout dans l'émission, nous pral fon chita parler avec Stanley Lucas. Mwen konnen gen zanmi k'ap di oh, Stanley Lucas encore. Ah oui, Stanley Lucas encore parce que Stanley et Lucas li toujours là et nous ka di c'est youn nan moun ki toujours ap chèche justice pour président Jovenel Moïse, k'ap mande justice pour président Jovenel Moïse, qui toujours disposé, qui toujours disponible pour parler de dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bon paquet l'autre nèg ki rele tèt yo Jovenelis, ou ap chèche ou ap balen depuis ces dossiers Jovenel Moïse, yo pas parlé. Yo seulement là pour constater avant ce qu'a fait, pour faire petit tweet, pour faire petit message passer, etc. Mais jamais parler, jamais exposer au public, jamais exposer avec réalité qui gagne dans le dossier président Jovenel Moïse. Eh bien, qui ça bagaille là dans le moment n'a parlé à là? Mes amis, je n'ai pas gardé avec moi là, dans le tableau ça. C'est FBI qui présente hier. Dans le cadre des conférences de presse qui t'a fait là, côté gagné procureur américain, Mackenzie Lapointe qui t'a bail plus de détails dans le cadre d'arrestation quatre nouveaux suspects. Là, on a regardé avec moi, et ça, Floride qui est en vert, Sud Floride, et puis on a regardé Haïti qui est en rouge. Nous avons gagné trois parties dans le tableau. Première partie, il y a pour avec et planification et financement. Deuxième partie, il y a pour avec opération. Et troisième partie, il y a pour avec soldats yo engagés, soldats et mercenaires colombiens. Non, planification et financement, il y a quatre noms. Et c'est quatre noms FBI arrêté. C'est quatre nouveaux suspects ça yo qui yo même dans moment n'a parlé à là dans prison États-Unis dans ça qui gain pour avec assassinat président Jovenel Moïse, moun qui te financé, moun qui te chita planifié, commandité pour aller touyer président la Kaili dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 passé. Qui est-ce noué là? Un certain Archangel Ortiz. Eh bien monsieur, tout nom c'est Archangel Pretel Ortiz. Ma vin sou li talè, se li ki enterese nou. Genye Antonio Entriago. Antonio Entriago sa, se li mem ki responsable CTU. CTU nan Floride, aux États-Unis, se yo entreprise sécurité, se yo mem ki te charge pou fè recrutement et Colombien, mercenaire Colombien yo.
En troisième position, gagné Walter Ventimiglia. Walter Ventimiglia, c'est lui-même, nous avons considéré comme bras financier. Il y a un bras financier dans Floride qui a gagné l'argent, qui a mis l'argent disponible pour Colombien, pour Mercenaires, pour Emmanuel Sano, Pasteur Emmanuel Sano, pour te gagner l'argent, pour te cacher un service mercenaire pour entrer en Haïti, pour le président Jovenel Moïse. Et bien, à un moment-là, tous les trois nègres, ils ont nommé FBI, n'a fini avec Frédéric Bergman Jr. Frédéric Bergman Jr. là, yo pas vraiment bail et en ensemble des formations sous lui et dans qui qualité seulement FBI mettel dans même partie avec moun qui planifier dans même partie avec moun qui financer assassinat président Jovenel Moïse. Songe dans commencement émission, moi parler nous de yon informateur actif FBI. Yon agent actif FBI. Ça veut dire c'est un monde qui a travaillé, son monde qui opérationnel, son agent qui opérationnel, li pas révoqué, li pas la retraite, li still a travaillé. Mais est-ce que Arcangel Pretel dans moment n'a parlé à là, li toujours a travaillé? Eh bien, qui ça Miami Herald, journal Miami Herald dit rapporté. Yo fait connait que Arcangel Pretel Ortiz dans moment yo t'a planifié assassinat président Jovenel là. Dans le moment où vous exécutez le plan assassinat président Jovenel Moïse, et bien individu ça, qui est Arcangel Pretel Ortiz, l'ité yon agent FBI. L'ité appartenu avec institution ça, institution fédérale ça, qui est FBI aux États-Unis. FBI, ce n'est pas une institution qui est dans toute boîte poubelle, ce n'est pas une institution vaille qui vaille, c'est une institution respectée, respectable. Comment faire yon agent actif? Ce n'est pas un agent retraité, ce n'est pas un agent révoqué, yon agent actif. Comment faire participer dans touye un président? Comment faire participer dans complot pour assassiner un président? Là, déjà, on comprend que États-Unis, quelque part à travers FBI, c'est comme si yon ta dou yon implique jout nan zo, jout nan kou, nan assassinat président Jovenel Moïse. Et c'est là, ta pral gon embara, hier 14 février, nan conférence de presse, que procureur Mackenzie Lapointe ta bay. Gen journaliste qui te pose procureur lan en question, nan sa ki gen pouwe avec Arcangel Pretel. Li mande et procureur américain, ça nous relé en Haïti commissaire du gouvernement, avocat et avocat gouvernement américain, l'État américain, yo mande l. Et s'agissant de Arcangel Pretel, mais Arcangel Pretel, nan moment assassinat président Jovenel Moïse, li te encore yon informateur FBI. Qui sa ka di sou ça? On voit bien journaliste poser la question, lui répond, c'est une belle question, son belle question. Au deuxième journaliste poser la question, son belle question. Pour qui ça? Parce que lui embarrassé. Lui embarrassé, c'est lié directement à une institution qui l'a pour faire enquête, pour mener investigation, c'est lié avec assassinat au président. Mais il t'a pral rivé démarrer pied, il t'a pral rivé sauter tête lui. Nan question et journaliste a posé parce que journaliste Mandel, est-ce que FBI était au courant que Arcangel Pretel t'a pral participer dans tout le président Jovenel Moïse? Il dit non, FBI est pas au courant. Gon l'autre journaliste leur retourne la question, il dit et c'est pas ça qui a l'ordre du jour, il a pour retourner sous ça en prochaine fois. Donc là, son calotte marassa Arcangel Pretel by institution by FBI parce que ça voulait ou pas que voulait ou pas voulait FBI va fait tout ça qu'on est pour casser faire couvrir ça pour information pas fuiter pour information pas sortir pendant un bon bout de temps il y a des responsables me songe 2 mois après assassinat président Jovenel Moïse même New York Times t'a écrit article côté que yo te dou dans article yo essayé contacter et responsable FBI sous statut Arcangel Pretel sous implication Arcangel Pretel sous participation Arcangel Pretel yo te refusé catégoriquement répondre avec question ça yo avec des médias américain la kayo oui yo te refuse bay des explications et journée jodi an la bon marché pressé bagay la red pou yo yo oblige Marie Arcangel Pretel yo oblige Marie Antonio Entriago yo oblige Marie Walter Ventimiglia yo oblige Marie Bergman Junior pour qui ça parce que moun sa yo
aux États-Unis, c'est vrai, c'est résident permanent, c'est citoyen américain, mais ils ont participé dans le complot, ils sont bas yo bay. Ils sont bas yo bay avec principe démocratique aux États-Unis. Les États-Unis toujours défendent démocratie, respect de la moun, et pas de violation souveraineté, ils pas de violer principe territorial, etc. etc. Mais l'on garde là, mon cher, si yo te ka, si yo te ka cache vérité à soi, Angel Pretel, en vérité, nous pas d'ab, j'aime qu'on est si Angel Pretel ça, c'est un informateur, son agent actif FBI, l'été, au moment yo t'a comploté pour yo touye président Jovenel Moïse. Ce qui est différent en Haïti, ou attendez là, et premier ministre Ariel Henry, et yo joint Bedford Claude Lelte, commissaire du gouvernement, li mandé Gisèle un rapport, un relevé téléphonique, et yo t'a pral constater que premier ministre, pour quantité fois le parler avec une principale cerveau, une principale et auteur intellectuel assassinat président Jovenel Moïse en parlant de Badjo Félix, c'est pas si cause, c'est pas si parler, c'est pas si dialogue qui te gagne entre deux moun yo, malgré Bedford Claude, li te initié et li te commencé faire des processus, li te mandé avec juge d'instruction qui était sous dossier pour te faire réquisitoire supplétif etc. pour te faire des suivis par bon côté Ariel Henry. Li te gen tan bon pour l'aller et l'aller révoquer. Yo révoqué Bedford Claude pour te capable toucher Ariel Henry et jusqu'à présent Ariel Henry li plus que jamais confortable dans position, li plus à l'aise dans position, li pa gen moun ki ka inquiété dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pa gen moun ki ka déranger dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et nous wè ki kalot marasa nou bran en Haïti. Nous, qui calot, qui gros baf la justice haïtienne, bro. Comme si yon tout yon président haïtien, yon tout yon la kaël, il pas mourir en voyage, il pas mourir en déplacement dans le pays, là yon tout yon, et puis nous pas en mesure. Nous ne sommes même pas foutus de lui rendre justice. Nous pas en mesure pour nous faire lumière sur le dossier. Nous pas en mesure pour nous enquêter. Et si vraiment t'es une enquête qui t'a fait sur le dossier Jovenel Moïse, il y a des enquêtes de proximité, des enquêtes de voisinage qui t'a fait. Rapport de CPJ, son travail qui t'a supposé faire bien rapide pour yo émettre rapport d'enquête là de yo, pour commissaire qui t'a la pressé pour yo te marrer moun yo, pour pas qu'être traîner dossier à faire politique avec assassinat président. Et journée aujourd'hui, la grande série de nèg qui important pour dossier qui en cavale 19 mois après assassinat par Jean Kajouni, on est dans le Badjo. Joune jodi an se kontante n'ap kontante se le Badjo gen anvi pale a public la, li la gon ti voice nan la rue. Ou bien la gon vie trak nan la rue. On nou oblige di se trak, nou pa jem wè Badjo nan video, se son, se audio nèg la plage nan la rue. Ou kopran, pou le dil te gen randevou nan radio éclair, ta pral passe nan matin débat. Ou pa ket information. Joune jodi an la, dossier président Jovenel Moïse, li mette la justice haïtienne toutouni, qui soit ouais, États-Unis ont décidé de rentrer là, li bote 4 nègres la veille. Au total, là, dans le dossier Jovenel, il y a 11 suspects qui n'en met et la justice américaine. Il y a 11 suspects. Ça, c'est dans le pénitentiaire national, yo vini, yo prend Soulage, yo prend Emmanuel Sanon. Yo prend Joseph Vincent, qui est-ce encore yo te prend? Et yo prend James Solage, Emmanuel Sanon, Joseph Vincent, yo prend German Rivera Colombien, yo ala avec yo. Yo ala avec yo. Et procureur américain, li faut connaître que ça qui a passé aux États-Unis avec ça qui a passé à Haïti, yo pa li, enquête yo pa li, deux bagages différents. Chaque moun nan la cour pa ou après les affaires par États-Unis nan grand la cour, la règle les affaires par selon propre loi le principe li. En Haïti, nous n'en la coupe pas nous, n'a pas réglé les affaires pas nous. Selon intention politique, bonne volonté politique, j'en ai dormi, j'en ai levé, corruption ou pas, n'a pas plus l'argent, etc. C'est ça. Donc, li le temps pour nous prendre dossier Jovenel Moïse au sérieux. Eh bien, dans 4 dossiers Jovenel Moïse, gagné Jean la guerre civile qui était coordonnateur sécurité en dedans par les nationales. Eh bien, Jean la guerre civile, il était jeune arrestation dans le même dossier président Jovenel Moïse, parce que enquête faite et témoin parlé, etc., policier parlé, on pral déterminer que Jean la guerre civile, coordonnateur à l'époque, il a une implication présumée dans le complot qui aboutit avec assassinat Jovenel Moïse. Yo Marel. Kounye ya, Jean la guerre civile qui était un avocat, maître Renaud Georges, Renaud Georges pété lobo.
Renan Georges, non seulement le pété l'eau bois avec la justice, mais le profiter passé pour Pierre Espérance. Jim Solage qui impliquait haïtiano-américain ça, qui impliquait dans tout le président Jovenel Moïse. Jim Solage qui était un avocat et met Anel Remy, avocat, comment on connaît les avocat société civile là, avocat, bon, n'a pas besoin avocat là, et militant politique, avocat militant, yo, avocat de la veuve, de l'orphelin, point bon. Il était avocat Jim Solage. Des bagages après grand bataille, il va pas en deux dans la République. L'estomac, elle parle, elle frustré. Il faut entendre l'intervention de M. Sayo. Il va gagner plus d'idées de comment le dossier Jovenel Moïse marche vraiment au niveau de la justice haïtienne. Dans ça qui vient pour avec des suspects qui en dedans, pénitencier national. En nous tendez, et puis après, ma retourner pour reste information. Yo. Je vais répéter tête encore que le client n'a pas impliqué ni de près ni de loin, même de très loin, dans l'assassinat. Et par exemple, si tu n'as aucun monde qui est dans le complot sur l'assassinat. Contrairement à sa perspective, dit, je vais vous dire motivation perspective. Qui est-ce qui paye pour faire déclaration ça? Côté dit que Solage te baille, j'ai la guerre civile, 80 000 dollars, n'est-ce pas, pour préparer un policier. Alors, je suis policier, pour le séparer 80 000 dollars avec eux, comme chaque avouer, pour entrer dans logique, assassiner le président. Est-ce que comportement, les gens, la guerre civile, tout, non, choue assassinat président, puisque l'information du président dit en difficulté, il dit la privée, le baillon privé? Non, il est privé. Et c'est assez mauvais, ça, en cap, la guerre civile. Non, il est après, le président fin, fin assassiné. Il est arrivé quand même. Parce que imaginez un monde qui n'a pas bon abdomen ferme. Pas pour le descendre, pour le passer pour une sécurité de son avis. Bon, à une 35, 36. Nous sommes déjà arrivés, oui, pas le sec. La telle enseigne. Il joint, il a associé à Madame Président, il a joint sur la croix, il est arrivé, tout le monde est consommé, sans le faire. Donc moi-même, m'a demandé, et alors, responsable City, ouais, et qui est responsable City, qui t'a recruté mercenaires et colombiens pour t'avoir fait action ça, j'ai une arrestation yo, ou même et client là, à aucun moment, selon sorti avec lui, pas de jamais rencontré avec Mounsa yo. Non, et mettez en demeure pour le dire de rencontrer avec client là, Tibor et ça a été dit. Et moi, il m'a demandé juge Voltaire encore, relève Pierre l'Espérance pour une confrontation avec, pour le mettre Pierre l'Espérance son fier menteur, et pour le t'a tout mettre dans le bac pour nous. Parce que Pierre l'Espérance son monde qui compte tout le monde qui a passé dans le pays. Après transfert, quatre présumés suspects dans l'assassinat président Jovenel Moïse aux États-Unis, d'après vous-même, est-ce que juge Walter Voltaire gagne un contrôle dossier ça, les gagne yon action capable de faire, capable de prendre ordonnance. Bon, dit capable de ordonnance selon ça, il y a un mais il n'y a contrôle dossier réellement. J'aime bien contrôle dossier parce que dossier est un peu perturbé. Parce que nous venons ouvrir quatre municipes qui de participer de là ou aller à avec eux. Nous sommes en bagage et qu'on fait comme si nous cachions un peu vérité. Mais quand on met ces sous-télés ou cette information, produit fédéral là, pour ne pas dévoiler l'information là, ça sont le gros problème. Donc, nous-mêmes, ça nous connaît, nous ne pouvons pas ni de près, ni de loin, ni de très loin de base. Quelle est ce qui s'est menti ça? Tout le monde dit qu'il manque qui paye pour se menti ça. Parce que je te veux le Léon Charles. Premier monde président de l'Est, c'est Léon Charles. Il va jamais. Jamais! D'accord? Donc, c'est ça la vérité. On a suivi avancement dossier de très près et la justice américaine a fait un bon travail et bon côté par la justice haïtienne, on a fait travail par le monde qu'on est à cause de transfert, cas d'inculpé, qui viennent beaucoup pour justice par nous, parce que monsieur Sao, il était important, il était des personnes clés dans le cadre de la poursuite de l'affaire, de l'avancement de l'affaire. Donc, que la justice se travaille, parce que la président doit jouer une justice correctement. Aux Amazonas, donc, nous-mêmes, nous pas qu'à opiner sur comment la justice américaine a bossé, parce que nous pas avocat qui a milité aux États-Unis. Mais de toute façon, on a suivi. Est-ce qu'il a avancé dans le dossier ça? L'autre bord de l'eau a favorisé, bien, à penser avec rien, nous, bien, la bande fait avec rien, nous. Mais nous, était quoi que la justice a fait un travail qui est rationnel, qui est impartial, et puis qui est sérieux, tout, et puis qui a permis que, qui a parlé avec rien, dans le avec, mais si vous impliquez, si vous chargez, vous chargez correctement. Voilà. Comme il y a un avocat, Jim Solage, qui, première réaction, a gagné, l'entendez, la justice américaine, avec la police, a arrêté, je dis à la, quatre suspects clés, parmi eux, responsables, si tu y a. C'est une bonne nouvelle pour l'enquête, une très bonne nouvelle, parce que, écoutez, l'heure a arrêté, mon ça, donc,
possibilité pour retirer Charles sous client nous, il grade. Parce que dès que vous ne pouvez pas l'autre monde qui était impliqué dans le dossier, c'est moi qui l'a, oui, mettez tout Charles sur vous. Arrêtez 4 gros clients comme ça, 4 gros monde comme ça, 4 personnes comme ça dans le dossier. Donc, ça permet que le dossier avance, que le président Jovenel pas en justice. Monde qui vous lave, monde qui vous condamne, monde qui vous blanchit à blanchir. Nous saluer tout effort que l'autorité américaine a fait. Nous saluer tout travail qu'il a fait. Mais nous-mêmes, nous suivons de très près. Et parce que nous avons des clients, nous, ils ont été transférés. Et nous ne sommes même au courant. Personne ne va aviser nous. C'est un temps de nouvelles. Et puis, ils ont transféré les clients correctement. Vous comprenez? Donc, il y a une question de cabinet d'avocats aux États-Unis. Je pense qu'ils font mon travail. Même je ne t'ai fait pour le prince, Haïti. Dans le cas de dossier, ça, pas qu'ils fassent quoi, juge d'instruction. En Haïti, lui-même, dans l'intérieur de l'ordonnance, 4 suspects clés, dans le dossier ça qui est transféré aux États-Unis, et puis plusieurs autres suspects clés encore, lui-même, ils ont arrêté aux États-Unis. Et question à vous, maintenant, il y a un rapport avec faiblesse système de justice. Parce que, est-ce que t'es contre les techniciens, vous dites que les autorités américaines ont le droit de s'insurger, ou bien de fourrer leur nez dans une instruction en cours, on va connaître. Peut-être que c'est parce que vous êtes trop faible qui fait que vous faites ça. Je vais pas respecter, non? Mais n'a pas oublié que, mon sort qui transfère aux États-Unis, il n'y a pas de camper enquête là. Il n'y a pas de camper enquête là. Vous savez, instruction a continué. Maintenant, il y a pris nos instructions, notre dos mounio, en absence, en leur absence. Ordonnance. Après l'ordonnance, si vous libérez mounio, vous libérez. Donc, si on a une ordonnance et puis libérer Solage. Donc, à bon pression qu'il sorte le Solage en Haïti. Si on a une ordonnance côté qu'il est inculpé Solage. Maintenant, le Solage est purgé peine aux États-Unis. S'il a pas en Haïti, depuis l'entrée, il est supposé arrêter, il n'y a pas arrêté si il y a un jugement par contumace. Ou dit comme il y a un avocat James Solage, ou pas même connaître si la justice américaine t'a venu prendre James Solage là. Est-ce que selon vous-même, la justice haïtienne remet le dossier ça totalement by la justice américaine? Est-ce que la justice haïtienne même paraît impuissant dans quatre dossiers ça. Et parce que le système est faible, ou bien tout, est-ce que tu es contre que tu es signé pour ça, tout, pas connaître. Faut la vérifier ça. Si on fait sur la base d'un accord bilatéral, lieu de traité, ok. Mais si on fait le manu militaire comme ça, donc son gifle. Et tout ça, supposé pousser un faire effort pour renforcer le système là et faire plus solide. Parce que, ben là, je ne vais pas faire ça en France, non? Puis, on est paré, puis, pour inculper comme ça dans quatre dossiers. Jamais, non? Jamais. Bon, là, nous sommes tendés avocats de parti, yo. Et c'est pas moi qui a dit, et c'est pas moi qui a dit qu'on y a, mais tout le temps qu'on dit que y a une faiblesse au niveau de la justice haïtienne. Et là, on s'est attendu avocat James Soulagent, Metanel Remy. Et si n'a fait une déduction de ça, vous pouvez comprendre que États-Unis pas prêt à Haïti pour un ça qui vient pour avec justice. Ça veut dire, États-Unis lui-même qui prend décision pour le mener et dossier président Jovenel Moïse, qui prend décision pour avancer avec enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Et ça qui arrive au bon l'heure, t'attendais bon juge d'instruction qui rend ordonnance. Qui rend ordonnance, qui décide pour inculper Negyo, pour voir Negyo devant tribunal à juger. Par exemple, si demain matin là, juge Walter Wessel Voltaire, il t'a décidé l'inculper et Dimitri Ran, l'inculper et Jean Laguerre civil, l'inculper et quête dans Colombien yo. Si yon ta ge chance pour le tende yo. Ça qu'arrive là, autant de inculpation fin fait, yon voye neg yo deferé devant tribunal criminel à juger. Et pourtant, les États-Unis débarqué, li pren neg yo la lavel. Bagay sérieux. Et bagay moun ta kriye nous oblige, et j'en vini en nous pral comme ça. Pour qui raison? Parce qu'on pral comprendre. États-Unis pas fait la justice haïtienne en confiance. Yon pa gen confiance dans ça qu'a fait comme justice, qu'a fait comme enquête, qu'a mené comme enquête en Haïti. Sinon, t'as bon respect. T'as bon minimum de respect. Et non seulement ça, tout, bon laisser aller, bon laisser griner, pas bon côté la justice haïtienne. Moi-même, t'es attendu, moi, tant qu'on par exemple, ouais, Emily Prophète, yon fin voyé présumé criminel, l'an qui t'es mis justice, ça, oui, bientôt d'oser aller. Moi-même, t'es attendu, moi, que, Emily Prophète, femme respectée, etc., li vin nan tête ministère de la justice. Bon, c'est après des dispositions qui prend surtout dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Puisque depuis lors là, gen rebondissement dans le dossier, États-Unis, FBI débarqué, ou vin prendre des suspects en Haïti. Peut-être m'pense, yon t'apral fait tout ça qui nan pouvoir, yo, pour yon mande gen assistance, pour yon mande gen coopération qui fait, Le FBI, par exemple, il pral présenter suspect yo, t'as bon représentant l'État haïtien qui l'a. Le juge, t'as pral gen pou l'tande suspect yo,
pour yo li acte d'accusation, pour yo présenter au nouvel chef d'accusation retenu contre yo, bon c'était ka gagne un représentant l'état haïtien qui là. Oh oh, pa gagne youn nan sa yo, pa gagne youn nan sa yo. Ça montre que même le gen des séries de moun y a parlé de yo comme bon moun, comme grande dame, grand homme, etc. en Haïti, gen un koto rentre, bon couloir rentre, bon koto passé en vérité. Tache sale la prête sou. Tache sale la prête sou et la sale tout image ou la gâte tout image ou. Parce que journée jodi, si États-Unis décide, j'enlève, fait salver dans le dossier président Jovenel Moïse, c'est parce que nous-mêmes en Haïti n'ont pas décidé. C'est parce que nous-mêmes nous pas mandé, nous pas font chita parler avec eux pour nous dire mais qui ça nous voulait dans dossier. Puisque majorité moun qui dans pouvoir Ariel Henry, yo gen complicité dans tout Jovenel Moïse, c'est yo qui a joui, c'est yo qui a tété mamel, c'est yo qui a bien passé. Donc yo pas aucun intérêt. Yo pas aucun intérêt pour Jovenel Moïse en justice, pour yo c'est seulement Jovenel son question de justice pour Jovenel Moïse. Yo pas ouais. Depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, pays a plongé dans un chaos généralisé. Pays a la justice haïtienne, li vin pi mal, ça a passé dans le système judiciaire, li vin pi laid, pi sale, pi senti du. Yon pas rendu compte de ça. Tout nèg profite, même après l'assassinat de Jovenel, la régler problème politique yo. Gen nèg qui profite ranger chita yo. Gen nèg qui profite après ranger chita yo. Gen ki profite pendant yon nan pouvoir, oui. Gen ki a profite pour yon vin nan pouvoir. Donc, son poisson krasé nan mouyo, ba yon son meli melo yon ye. Et Martine Moïse, ancienne première dame, non? Li même li pa jamais raté en occasion, n'importe ça qui a fait dans le dossier assassinat Maril pour li réagir. Eh bien, hier, suite avec arrestation 4 nouveaux suspects, ça yo, Martine Moïse font tweet pour saluer arrestation qui fait hier dans Floride, dans le cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Et li fait qu'on est que très justice pour Jovenel Moïse, li pa dwe kampe. Train pas doit camper et dossier doit continuer, processus doit continuer, enquête doit continuer. Et mais elle pas dit est-ce que c'est en Haïti ou bien est-ce que c'est aux États-Unis, ça nous connaît. N'importe côté justice là bas pour président Jovenel Moïse. Nous-mêmes nous là pour nous garder qui ça qu'a fait pour nous informer ou pour nous kembo informer pour nous analyser faire avec. Parce que il y a un paquet de bagarre qui a passé dans justice Jovenel Moïse là. Pour moi personnellement, son paquet de petits poissons, pour moi son paquet de nèg qui marionnette. Et surtout dans le tableau côté FBI présente nèg ça qui a participé dans l'opération, là Rodolphe, il t'a investi en $80,000. $80,000 qui nèg c'est oui, un crime transnational tant que ça nèg mette campé pour tout Jovenel Moïse. C'est des millions, des millions, des millions, des millions et des millions de dollars. Nous songeons te gagner M. Newton Saint-Just qui te fait connaître que l'argent sorti États-Unis, li transite en République Dominicaine, li rentre en Haïti dans banque, etc. Des millions et des millions de dollars. Mais 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, moi-même franchement, dans l'idée pas pour moun, pour quand tu moun qui participe dans tout le Jovenel Moïse, moun qui te connaît, moun qui te connaît qui pas parler, moun qui te connaît qui fait manger, moun qui te connaît, tel te connaît, qui connaît, qui pas dire, hein? Tout moun ça a participé. Et chaque moun qui te au courant de un bagay quelconque, à n'importe quel niveau, yon récompense. Par contre, comment yon récompense si c'est en argent? Je ne sais pas si c'est dans le pouvoir, je ne sais pas si c'est dans le cabayo. Mais je ne dis pas, nous prenons rendre nos comptes. Nous prenons rendre nos comptes à bon moment qu'à privé dans le dossier Jovenel Moïse. Même nous ne pensons pas à bien pour prendre compte. Même nous ne pensons pas à bien parce que nous avons le pouvoir là. Soit regardez le pouvoir Ariel Henry, mon cher. Pour regarder des séries de nègres qui étaient campés en face de Jovenel Moïse. Je ne dis pas qu'à bien passer dans le pouvoir. Qui a fait corruption, qui est dans votre corruption. Mon patron de ni UCREF, ou patron de ni ULCC, ou patron de coup de compte, ou patron de moun sa yo, ap bay rapport, ou patron de yo, Alors que sous Jovenel Moïse, te tellement gen activité, te tellement gen, moun yon te tellement actif pour faire rapport. L'opre coup de compte, jounen jodi yon la, qui se principale institution nous genyon de dans pays, coup de compte. CSTC, à Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est lui-même qui pour bailler approbation pour contrat, pour marché public. Yo. Bon, en parlant de marché public, et pendant la semaine, depuis lundi, Ariel, il y a un forum sur le marché public, passation de marché, ben, il s'arrête quoi. Mais en sérieux, pour quantité contrat bidon, contrat malaction, corruption, surfacturation qu'a fait dans l'État là,
pour que tu te fasses ma garçon qui a touché chef, yo pas même vin travail, yo alten TPS, yo te allé pour TPS, yo allé dans programme Biden, pas un meeting qui fait dans l'administration, chef a sorti, chef zombie a sorti, yo pas jamais sorti aucun rapport, yo pas jamais pris aucune disposition pour yo dou et gè corruption. Gè corruption dans tel ministère, gè corruption dedans primature, pas de bagay ça yo. C'est comme si pendant transition tout le monde a droit pour faire corruption, pendant transition tout le monde a droit pour gagoter l'argent, tout le monde a droit pour faire surfacturation. Mais là il y a pas fait comme ça, pays pas fait comme ça. Vire tout nous entendez, États-Unis a metté des millions, ou tout le Canada a metté des millions dans fond de basket, etc. Ou tendez Banque mondiale a décaissé des millions de dollars, USAID a décaissé des millions de dollars. Bon mes amis, finalement on paye tout million ça yo. Moun fait kara marcher sous fatra. On paye bien tout million sa yo. Et autant de yo débloquer l'argent là pour carnaval fait et pas le carnaval national mais le carnaval chaque commune qui fait carnaval yo. Et puis dans quel Port-au-Prince capital pays hein, carnaval a fait entre 10h du matin à 6h de l'après-midi pour qui ça pour blackout en insécurité. Eh bien comme ça nous te prendre. Nous te prendre l'argent, nous décider de décaisser pour carnaval. L'argent ça, comme nous pas avlé, nous pas avlé peuple là, ouais, si nous fourré maintenant déjà coup de paye d'enel là. Nous dit nous faire carnaval quand même, nous baillons un petit cal dans l'argent. Mais nous te prendre pour nous faire assainissement, oui. Nous te prendre l'argent ça pour nous dire, nous pral déblayer, nous pral ramasser fatra, oui. Nous te prendre l'argent ça pour nous dire, nous paye boue, oui. N'a paye moun sa yo nan mairie yo ki pa jam touche, mais ki nan tout touré go, tout ri go la pramase fatrap debouche kanal yo, oui. Ki ge 7 mois, 8 mois pa touche. Mais nous préférons faire carnaval grand journée, 10h du matin à 6h de l'après-midi pour cause d'insécurité ak blackout. Nous pa honte. Nous pa honte, mais la kafou, centrale électrique, li pa jam ka dérape. Pour qui raison? Qui raison, Ariel? Qui raison? Mon cher, pays a son pays tête en bas. Son pays tête chargé lié. Bon, nous avons recevoir Stanley Lucas, faut que moi dis nous, et jodi an la réunion yo tan men réunion yo commencé avec Justin Trudeau avec différents l'autre pays, responsable différents l'autre pays parce que gen OEA li même qui gen tan prend résolution là dans ça qui gen pour avec dossier Haïti hein. Et yo pral garder, y a penché non seulement y a penché sous dossier haïtien sous cas haïtien, mais y a gagné pour yo monter un groupe de travail pour yo voir comment yo arriver pour te vraiment comment pays qui fait partie de organisation état américain OEA, comment yo ka aider PNH de manière de plan de point de vue sécuritaire pour yo mettre campé en plan et de redressement, comment yo ka aider d'un point de vue humanitaire, tout ça est extrêmement important pour eux et pour aider Haïti. Mais comme ça tout au niveau de la CARICOM, gagner et différents pays membres dans CARICOM. Réunion, il y a fait et au Bahamas, gagner Justin Trudeau qui l'a. Et nous connaissons depuis un bon bout de temps là, un dossier haïtien lié au centre des débats. Eh bien, Justin Trudeau, il y a gagné avec lui, ambassadeur et permanent et Canada auprès des Nations Unies en Bobré. Avel, yo pral gade ki sa ki ka fait pour Haïti, ki sa ki ka fait nan dossier haïtien, mais yo toujours kembe comme principale préoccupation yo crise politique là. Problème haïtien, solution haïtienne, c'est ça yo toujours mettez devant, c'est ça yo toujours mettez en avant avant yo prend quoi que ce soit comme décision dans ça qui vient pour avec sécurité. Mais yo toujours été et favorable pour aider PNH, pour soutenir PNH. Nous pas oublier reste blende yo et premier ministre Trudeau reste blende yo tant pis s'il vous plaît faire nous joindre PNH besoin. Et gen bon petit temps là États-Unis a promet nous dans mi temps semaine, dans semaine, dans semaine, et chaque semaine qui passait c'est toujours dans semaine là. Donc il y a extrêmement important pour nous acheminer, pour une casse acheminer reste blende yo, pour aider PNH tout bon dans bataille contre gang ak insécurité et river garder ensemble ou même avec États-Unis partenaire indéfectible comment nous ka aider Haïti faire face avec zam illégal bal ka rentrer trafic zam trafic bal ka fait dans douane nou yo sans contrôler. Ça extrêmement important. Eh bien là nous pral tamen dialogue nous avec Stanley Lucas qui pas jamais suspendre Cléonet, qui pas jamais suspendre mandé chercher parler de justice pour Jovenel Moïse jusqu'à ce que li rive dans oreilles oligarque, jusqu'à ce que li rive dans oreilles autorité concernée yo. Effectivement parole yo pote résultat, parole yo pote fui. En nous garder qui ça Stanley pote dans jacote li suite avec 4 arrestations, ça yo 4 nouveaux arrestations, 4 suspects
aux États-Unis qui ont même impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Je m'ai déjà annoncé, eh bien, je dis en là, moi, bien, avec moi, Stanley Lucas, ensemble, nous prenons le fait, un bon petit parler sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, suite avec rebondissement ça, yo, quatre nouvelles arrestations ça, yo, qui gagnent dans le pays États-Unis, quatre nouveaux suspects qui ont même impliqué dans tout le président Jovenel Moïse. Eh bien, avec Stanley Lucas, nous prenons le garder ça qui a passé là. Il faut que moi, dis nous, Stanley Lucas, c'est un monde qui a cherché justice, qui a demandé justice, qui a fait tout ça, tout ça qu'on est, tout ça qui n'a pas pouvoir pour dossier abouti, pour très justice Jovenel Moïse continuer à marcher. Eh bien, lui-même, il a toujours fait être disponible, il mettait tête lui disponible, n'importe le lien, contacter le matin, midi, soir, toujours là. Et comparativement avec un paquet de l'autre monde, qui a demandé justice pour Jovenel Moïse, mais qui pas jamais vraiment et voulait parler dans les médias, qui était koyo et qui pétade koyo, qui pas vraiment voulait et exposé yo. Et Stanley hier, on était en émission Foucault, mon yom konnen Haïtien t'a l'air, ah, tac 509, c'est Chanel, et Stanley hier, eh bien, pourquoi pas. Stanley li là, toujours disponible pour le parler et sous cause paysan, pour le parler dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, n'a continué bali canal, continué. Qui te micro en ouvert pour lui parler, pour lui expliquer qui ça qui gagne dans le dossier. Stanley, comment est bienvenue dans l'émission, mon éditorial avec Yannick. Moi, salut Yannick, moi salut tout auditeur, ensemble à toute équipe, et sous TAC 509 là. Et faut me féliciter tout, parce que travail, éducation politique, ou même Yannick, Foucault, Boustay, on paquet l'autre, citoyen engagé, patriote fait pendant 19 mois par rapport à crime odieux ça qui fait dans le pays d'Haïti. Parce que là où tu es président pays, l'affecté tout haïtien et l'ispati dans l'histoire pays ça que nous pas l'écrit. Et c'est avec 100 présidents, nous pas l'écrit, qui va l'affecter toute génération future. Yo. C'est pour ça son dossier, nous pas qu'à rien d'un personne. Non, et c'est pour ça, depuis 19 mois, nous respectons Goumet que TAC 509 fait sous question de justice là, ou même personnellement, Foucault avec toute l'autre équipe là. Donc, je dis à concours qu'il y a des bagailles qui fait, mais nous allons répondre à la question sous ça qu'on gagne. Et n'a pas rentré droit direct dans le dossier yo hier FBI yo ba un point de presse côté que côté yo annoncé gagner 4 nouveaux moun 4 nouvelles têtes 4 moun yo mettre en bas code dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bon devant là me gagne un tableau côté que moun qui planifie à financer criminant 4 moun ça yo arrêté là Arcangel et Ortiz Arcangel prêté l'Ortiz gagne Antonio Entriago qui c'est responsable CTU gagne Walter Ventemia et puis gagne Frédéric Bergman Jr. 4 moun ça yo Stanley Lucas pas bon côté États-Unis. Yo estime gen implication yo nan touye président Jovenel Moïse soit nan financer soit nan planifier assassinat. Mais gros bay qui attire attention, c'est le cas de Arcangel Pretel Ortiz. Et selon Miami Herald, li fait connait que nan moment Arcangel Pretel et participé dans complot pour touye président Jovenel Moïse, il était encore yon informateur actif FBI. Et par rapport avec situation ça, un informateur actif FBI, ça veut dire un monde qui est toujours travaille pour FBI à ba information. Et est-ce que vous pensez ça pas qu'à entraver déroulement enquête sur assassinat président Jovenel Moïse dans ça qui gagne pour avec et soi-disant implication présumée agent ça. Yannick, dans la dernière interview nous t'ai fait ou son j'aime des dou qui j'en fait que Américain, pourquoi arrêter Arcangel Pretel? On est cap travail pour FBI tout à fait qui participe dans l'organisation tout le président Jovenel là. Ouais, non seulement nous parler ça avec ou nous parler ça sous plusieurs channels et puis nous ouais, Brit Soukou, on marche pressé pour l'arrêter monsieur. Si vous c'est manger ça, sont pas en avant mais c'est beaucoup ça. Donc il y a plus gros poisson. C'est ça, là, on dit poisson, on ben, nous requin blanc, nous pour rejoindre. Ok? Et ça que fait hier, même s'ils sont pas en avant, mais c'est beaucoup ça. Parce que, il y a un sentiment de déception dans ce genre de fait là. Parce que la justice pays d'Haïti n'est pas à la hauteur de crime ça. Ça arrivait parce que nous avons une justice corrompue qui a servi oligarque et politicien criminel pays d'Haïti. Ça fait hier,
c'est pas États-Unis que l'été doit faire, l'été doit faire en Haïti. Tout à fait. Ça fait hier a montré que son enquête bâclée qu'a fait là. Je vais répéter ça. Ça fait hier, ça, US Attorney, Mackenzie, la pointe, présenté ben nous, son enquête bâclée qu'a fait pour plusieurs raisons. Et bon, bon raison. Yo. Première raison, c'est que l'enquête là, c'est en Haïti qui a commencé. C'est Haïti qui a commencé à marrer en partie dans le criminel. Yo. Et Haïti t'a cherché reste dans le criminel. Yo. Yo vin prè yo dans Haïti. Deuxième raison, dans ce fait hier, Florida, pas gagné aucune présence la justice pays d'Haïti dans ce qui fait Florida. Haïti pas jamais représenté. DCPJ pas là. Bedford Claude pas là. Enquête là pas bilatérale vraiment. Son cas fait couvrir ça l'assemblée. Troisième raison. Crime ça qui fait contre président Jovenel là, il commençait le 7 février 2021. À travers une tentative pour touiller président dans petit bois, dans l'habitation Vobio. Soit sur YouTube, ou abjoint conversation entre inspecteur général Marie-Louise Gauthier, cap dit Dimitri Hera, il recevra l'autre département d'État pour le président. Donc enquête là bâclé, parce que nèg yo a bon petit bagage qui passe avant hier là. Et vous joignez tout oligarque qui touye président et politicien criminel qui touye président en Haïti. Pour joindre tout gros blanc requin, parti blanc poisson yo, qui touye président, faut commencer le 7 février 2021. Quatrièmement, nèg yo présenté à Angel Pretel, tant que son citoyen colombien, sans yo parti que la travail pour FBI depuis 2015. Te gon kak FBI gen New York, côté yo tap mette des théoristes fac devant la justice. Qui moun qui était là pour FBI, c'est à Angel Pretel depuis 2015 à travail pour FBI. Oui, ça va dire ça aujourd'hui. Et dans l'enquête là, FBI à la fois juge et parti. On retourne tout sous tweet John Joel Joseph là. Les sous contre toujours n'importe moun capable garder. Dans tweet là, John Joel Joseph dit lui recevoir l'autre département d'État pour aller prendre président. Et pas oublier tout, ça avocat Intriago a dit. Avocat Intriago qui a arrêté a dit si yo même yo pas recevoir feu vert de moun ki crédible dans département d'État, yo pas avoir fait crime non. Donc je ne jodi a, bon bay ki clair. Dans tout le président Biden pas au courant, secrétaire d'État Blinken pas au courant. Ça tout le président aux États-Unis, lire en anglais deep state. Auditeur ça veut dire deep state. L'état dans l'état. Son série de moun qui en dans l'état américain. Yo en contact avec une série de grosses autobrés politiques qui étaient dans l'état, pas l'état encore, mais qui ont intérêt économique dans le pays d'Haïti. Donc, Deep State là avait dit gros blanc, requin ça, qui était dans la politique, qui n'est pas dans la politique encore, qui a une grosse influence économique dans le pays d'Haïti, qui a défendu l'intérêt, yo a un contact avec moun qui est dans l'état qui a fait crime. Nan. Joune jodi a yo pas dit nous rien sous ça, non? Donc, pour moi même, ça qui a fait là, son enquête bâclée. Son tige fò kase fè kouvri sa, voye pousse nanje. Son bon etap ke liye, son bon etap sil menem, bay gwo rekin blan yo bo isi a, ki patisipe nan touye président, san Biden avec Blinken pa au courant, sil menem bay tout oligak ki touye président nan peyi d'Haïti et politicien criminel yo. C'est pour ça après, et question qu'on va le poser, pour qui ça la justice pays nous établit implication premier ministre dans tout le président, et puis c'est même blanc ça qui a protégé premier ministre. Vous comprenez? Peut-être que, bon, bien évident que quand même, on a regardé la conférence de presse, moi-même, moi j'ai constaté, et procureur Mackenzie, il était vraiment senti embarrassé. On a regardé le procureur là, qui a présenté, qui a donné des informations, à un certain moment, c'est un journaliste qui posait la question sur le statut Angel Pretel, dans le moment, et dans le moment, et complot a été fait, dans le moment, il a assassiné le président Jovenel Moïse. Et comment le procureur là, d'abord, répondu, et il a bien retourné sur ça parce que moment là, c'est comme si c'est fait, on vient exposer, on pas venir rentrer dans le détail comme quoi, Angel Pretel, tu travailles pour FBI dans le moment que, et tu es tout le président Jovenel Moïse. On dirait que, FBI ou bien département d'État, département de la justice aux États-Unis a fait tout ça qu'on est pour pas vraiment lier FBI
pour yon pas vraiment lié entité à l'assassinat président. Son tâche, son mauvais tâche pour FBI, qui sont institutions prestigieuses, mais il y a des gens là-dedans qui impliquent dans tous les présidents du pays d'Haïti. Il n'est pas bon pour la démocratie américaine, il n'est pas bon pour le prestige FBI aux États-Unis. Et c'est pour ça, depuis longtemps, nous avons posé des questions. Pour qui ça juge quand je parle qui est responsable du dossier, il n'y a pas de caca qui a commencé à sortir, les classes au secret. Mais là, là... nous-mêmes, ça, ici, nous, dans l'émission, ça, nous avons toujours dit ça, Yannick, depuis le commencement, c'est bon, 100 mètres liés, son marathon lié. Jojo, qu'on est dans le gojo, le qu'on est dans le gojo net. Et pas blague, parce que là, nèg yo commencé à sentir une grosse évolution, un rebondissement qu'a fait. Ouais, yo marre des citoyens américains et responsables CTU. Là, nèg yo commencé à sentir paniqué. Et en sérieux, Stanley. Et après, que yo fait, après plusieurs interviews que n'a demandé, qui j'en fais, monsieur, pourquoi arrêter, non, Angel Bredel là. Ou va ça après 4 semaines, n'a parlé de monsieur, puis yo subitement, yo gon marché pour ces qui prennent. Yo oblige ou vin trouver une situation quand on oblige liquider moun, on oblige et laguer moun. Vous comprenez? Ouais, bah, ouais, n'a pas mené au portail Léogan, Yannick. Ouais, bah, ouais, n'a pas mené au portail Léogan quand même. Mais c'est le bon bagage qui attire attention dans le dossier. Parce que, dans ce FBI présenté comme tableau, yo mette comme moun qui te responsable opération. Parce que jusqu'à date, la FBI y a 11 moun nan men yo, États-Unis y a 11 moun nan men yo. Yo considéré James Solage, Emmanuel Sanon, Joseph Vincent et John Joel Joseph, Rodolphe Jean, yo considéré yo comme moun qui t'a mené opération. Là, nous prenons par exemple le cas de Pasteur Emmanuel Sanon. Pasteur Emmanuel Sanon, lui dit que il t'a vini, et yo vini faire coup d'état, yo assassiné Jovenel Moïse, c'est lui qui t'a président. Mais là, nous qu'on a regardé à travers l'histoire comment coup d'état fait. Pasteur Emmanuel Sanon mette dans tête li que li ta vinn président pays, ta vinn yo maré Jovenel parce puisque c'est ça yo te dit, yo pa vinn assassiné, c'est un mandat yo te vinn exécuté. Mais est-ce que on pense c'est pas devant nèg yo te mette Emmanuel Sanon comme si yo bay Emmanuel Sanon garanti que li metal participer dans complot à la président pays, mais c'est pas un bagay qui te garanti vraiment. Yannick ou foi men. Ou faut tout bon. N'a pas cherché information. Blanc noir, qui ça blanc noir fait? Il y a trois catégories. Il y a des financiers, des organisateurs, des opérateurs. L'ordre ni financier que blanc noir a présenté ban nous, organisateur avec opérateur, ou est moun sa ou gen capacité pour monter opération qui gen dimension ça. Comme si nous t'avons gen oublié que ça non, c'est ça Miandal qui ba kay. Nous oublié ça. C'est ça Miandal qui baille docteur Sanon Kaiwi qui l'autre oligarque qui oublie cité non yo. Nous pas égarer. Ou fort Yannick. Non parce que si n'a cherché information parce que n'a regardé réalité en bien là. Ouais, mais tu fais oublier ça Miandal, moi pas oublier. Parce que docteur Sanon Kaiwi qu'il te gagne tout monde descend à cop qu'il ta et pas ça Miandal qui te connait balco. Parce que nèg ça remettait comme nous. Je vais faire oublier que 9 juillet, il était fait mandat pour Réginal Boulos, Dimitri Vop, Jean-Marie Vop, Jerry Tadieu, pour implication dans tous les présidents. Nèg ont oublié ça tout. Ben Dodor c'est pas gain temps boulé ou non. Nous gain copie oui. Non, yo te toute information ça était gain public, toute information ça était gain partagé. Mais kounya, là n'a pas regardé réalité hein. Coup d'état pas fait n'importe qui gens moun sa yo qui t'a vinn prendre pouvoir li évident que son paquet marionnette yo et journée aujourd'hui là yo fin assassiner Jovenel Moïse et j'ont toujours dit peut-être yo t'ai attendre passivité par bon côté population yo fin touyer président comme non il passé 2 mois après toute bagaille cassé fait couvrir ça 19 mois après ouais bah la coquille dans gorge yo pirette yo pas connait qui va vous sortir là-dedans mais honnêtement en Haïti le dossier a pris un coup du dossier a pris un gros baf parce que et le matin des procureurs la pointe lui ça connaît que effectivement c'est ça lié c'est pas bon connexité entre la justice en Haïti avec justice américaine non chaque monde n'en boit pas yo après les affaires pas yo et quatre monsieur ça va arrêter là pendant semaine nan, ou bien semaine prochaine y a bien pour yo paraître devant juge fait nouvelle chef d'accusation et nouvelle charge yo pral retenir contre yo même donc en Haïti là c'est qui garantit nous gagner que enquête soit assassinat président Jovenel Moïse dans la pote résultat. Est-ce que vous même vous avez une certaine garantie? Regardez, en aval, avec les gens d'Haïti, criminels au pouvoir,
Yo prend contrôle pouvoir exécutif là, yo gen contrôle pouvoir judiciaire, c'est yo mette juge unité qui sous dossier, c'est yo mette Chavan Etienne juge qui était sous dossier qui est obligé courir qui était là, c'est lui yo mette dans tribunal de première instance pour le bloquer. Walter Russell Voltaire dans unité, mission que yo bali nous vinn découvrir dans parler le fait avec journaliste Wendy Fell, journaliste français. Donc par là vinn découvrir que et monsieur ABC orienté enquête là dans direction bien déterminée, sacrifier des trois exécutants, protéger gros oligarques, gros politiciens qui tout est président. Donc, n'est-ce pas contrôle CSPJ, tribunal de première instance, cour de cassation, cour d'appel, l'Iclé, ça c'est en aval. On a mon boy ici, blanc qui ouais, dossier à quoi qu'il engage, l'abgado qui j'en pour bon pour se bâcler, pour le garder, qui j'en pour le sortir. Bon bagage, ça va le faire sortir, puis l'être toujours. Pas gagne ou pas bois, nous dans dossier ça. Donc, où sorti dans moment là, et PM nan ti j'en paniqué? Bon, premier ministre lui-même, monsieur tellement connaît qu'il est impliqué dans tout le président, où elle met un commissaire gouvernement qui dou, et l'irrité à deux mouns, c'est à Jésus-Christ et à Ariel Henry qu'il rete. Tout le monde qui le mette dans le système judiciaire est consacré au yé. Donc, je dis à premier ministre connaît que Bedford Claude, dans l'enquête qu'elle fait beaucoup de digicelles, établit qu'elle impliquait dans tous les présidents et comportement, monsieur, pendant 19 mois, quand elle fait 17 obstructions à la justice, montrer qu'elle impliquait dans tous les présidents, interview qu'elle fait avec CNN, montrer qu'elle impliquait dans tous les présidents, elle t'a parlé dans ce coup, quand elle dit que, bah, Dieu, pas qu'à fond crime comme ça, côté la pinocente, bah, Dieu, qui implique dans le crime, non, depuis les ça. Nous, monsieur fait même Madame Maniga parler, même gens. Madame Maniga, d'où c'est pas Edouard Boussan, c'est pas PHTK et pas Ariel qui touille Eric Jean-Baptiste. Donc, allez dire même vieux discours, nous qu'aimons yo. Donc, n'a pas été temps pour nous qui évolution qui a gagné et dans le jour qui a venu là, et qui chef d'accusation tout, et procureur dans l'État américain a gagné pour retenir compte quatre nouveaux présumés suspects dans le dossier. C'est là le Cambral qui doit aller, mais bien avant. Et bon bah qui est extrêmement important pour nous faire un petit parler sous lit. Parce que bon paquet d'informations qui a circulé sur les réseaux et que c'est rumeur, que c'est désinformation, que c'est propagande, n'importe ça, ça est extrêmement important pour nous faire un petit parler sous lit parce que ou même par rapport avec le combat des marchou pour demander justice, pour chercher justice au président Jovenel Moïse et ou qu'on entend de parler de Morvan, n'est pas vrai? Et n'est-ce que vous mettez deux à l'académie pour voler le téléphone, non? Et Morvan, et sous réseau, vous connaissez comme lanceur d'alerte, et comme moun qui a fait un travail, qui a payé des CPG en pile fois, qui a payé. Ah, c'est pour Dimitri, vous avez fait travail. T'as l'instant, bon m'avance, non? Bon petit chance, on m'avance, non? Ah! Moun y a pas remis comme qui question bral, bonjour quand même. Et dans le dernier jour, ça yo, gen ensemble de dénonciation que Morvan a fait et sous ancienne première dame de Martine Moïse, comme quoi Martine ta ensemble information dans Meli que le pas partagé avec la justice, comme quoi Martine Moïse ta connaît et comment Jovenel le président, c'est président, yo assassiné, etc. que ta kembel pour lui-même. Ou même c'est sûr que ou sous réseau à tout temps, ou à chercher toute information, tout détail, et pour ka, ou comprendre, pour ka agencer bagay yo. Et est-ce que l'information ça arrive dans oreille yo? Ou bien moi kap meto au courant de yo la? Ça, lui fait partie, faut pas oublier que opération clandestin pour tout le président, il y a 5 composants. Ok. Premier composant plan personnel avec 20 millions pour tout le président. Deuxième composante là, c'est infiltration pour te touiller président. Deuxième composante là, c'est exfiltration pour te faire soldat colombien et sauver peuple amaré. Et quatrième composante là, c'est propagande préopérationnelle. Avec dit tout menti ou te fait sous le président, des deux pays et des pays pour les touiller pour monter calbat bravo. Li échoué parce que joue touiller président et peuple amaré. Cinquième composant plan, c'est de lui qui m'a vendu là dans là, il fait partie de sa propagande post-opérationnelle. Avec dit, l'offre tout le président, menti qu'on doit faire sous lui à madame ni pour ça le cadavre là. Par exemple, il y a 54 millions qui président, et menti. Et son affaire d'eau qui t'a réglé, c'est menti. Et Martine, il y a une question pour répondre, c'est menti. Et Martine Touye, mon frère Doval, échange entre Ikenson et Dumé et Gerdy Blaise, vient faire nous clairement, c'est Gerdy Blaise qui Touye, mon frère Doval, pour Dimitri Vop. Donc, ça, M. a fait là, fait partie de propagande post-opérationnelle
Allez, dimanche, si cap fait après retour au président pour sale cadavre là, sale victime yo, pour faire victime yo tourner bureau et bourre, ça pas nouveau. Et donc, dans même propagande force opérationnelle là, yo dou tout ah, Jovenel pas besoin de justice ou quoi Jovenel a besoin de justice pour décourager moun cap gourmet sous dossier justice là. Donc moun qui fait ça yo, c'est Dimitri Vop, Reginald Boulogne, Jean-Marie Vop, yo conseil de tirer ça avec qui était avec yo, cap faire propagande ça au marché sous réseau yo. Nous habitué avec yo depuis 19 mois. N'a pas gourmet avec yo sous propagande force opérationnelle là. Jusqu'à présent pas gagne. Yo t'ai même dit Martin Ansen. Nous t'en démagaye ça, oui. Donc, pour même ces mêmes réseaux avant qui tapent détruit, qui tapent sale caractère et président Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui continuent là et à sale image ancienne première dame, non, à souiller et mémoire président. Et première dame, non, vino problème pour yo. Parce que l'idée doit mourir le 7 juillet, le ou fin tire balle sous lit. Le fait que première dame, non, vivant toujours, tout non problème pour yo. Le fait que la première dame a fait un discours le 1er janvier, quand elle corrige le cas assassin, il y a un problème pour eux. Le fait que la première dame a fait un discours et pour 19 mois, assassinat président, et il y a un problème pour eux. Donc, étant donné que vous faites menace physique sur la première dame pour Caponel, il n'y a pas de caponnage, il continue à gourmer pour justice. Et il y a un bagage qui est énervé, tout bon. La première dame n'a pas cherché ça. C'est la première dame qui a déplacé la langue de la langue d'Ouest pour dire peuple merci de ce que le peuple a été marié soldat colombien. Merci de ce qu'il a promu pour justice. Et puis le peuple a été répondu, nous tous les papa, maman, depuis les salles, tout le problème pour nous, il faut nous éliminer. Mais bon, le bagage qui a attiré l'attention, Stanley, ancienne première dame dans le pays qui connaît sa justice, mort dans le pays qui connaît sa justice, mort et lui faire connaître sur tout le réseau, lui parer, et si première dame n'a décidé de sommel li pare pour aller au tribunal et moi-même menti ça yo lou menti ça yo lou en pile et yo pour prévision donc moi-même bagaille ça flou tactique laboratoire qui ça m'en venir pour y aller au tribunal mais écoute c'est diffamation si c'est diffamation nous considérer lié il peut être lourd même fin répond OK on est cap font émission chaque fois la font émission son vent à fiat même a dit que son équipe travaille pour un laboratoire. Mais laboratoire qui a fait propagande post-opérationnelle là. Mais et c'est pas ça seulement il va l'ajouter. A dit non moi qui va le venir là, il va continuer à fabriquer. Premier côté, il était fait à faire 54 millions de dollars. Et pas espérance il était voyé dans vision 2000 là, il fait mentir. Après ça, il y a l'autre journaliste qui était venu répéter. Les gars même briefé journaliste américain pour te répéter ça et puis pas marcher. Mais après ça, il était venu avec un affaire drogue, il pas marcher. Mais écoute, si ancienne première dame n'a pas considéré comme première dame n'a parlé ni avec juge d'instruction qui était passé ni avec FBI il déposé li gen avocat ni en Haïti ni à l'étranger. Donc je ne le dis à c'est assassin yo qui senti que gon mi k'ap fermé sou yo chaque jour qui passe, nouveau découverte yo fait que nèg yo vinn pi toutou ni assassin yo pa konn ki diversion pou yo fè encore parce que ba la privé sou yo. Et c'est ça le problème dans Bouyo. Et pas le monde qui a parlé à, non, vous regardez. C'est qui est-ce qui est le monde qui a parlé à? Mais ça, il y a quelques bagages, c'est la justice pour déterminer. Oui. Nous avons tout dans la propagande pré-opérationnelle là. Avec les enfants, tout le président, nous avons tout menti. Nous avons président, tu as raison. L'élite dit que vous avez 50 juges corrompus que vous avez dit avec le Sénat et vous Bali. CSPJ et vous Bali. Nous, le président, il a raison. L'a été monté sur la radio, il dit que et s'il continue à faire courant, il y aura mort d'homme. Parce que là, au fin de tout, le président, nous, c'est même Dimitri Vobla qui prend avocat Sojourner, Beto Dossé, qu'il a mis dans le ministère de la Justice pour saboter enquête sur le président. Et c'est même Dimitri Vobla qui mettait Wall Mourouz qui bloquait EDH dans mes pays. Donc, même donc, après la mort du président. Même monde qui t'a fait propagande. Pré-opérationnel yo, qui t'a baillement si nous t'entendons que le président il te fait massacre la saline, et puis là au fin tout le président, nous t'en déchire il doit cap expliquer qui j'ai SDP fait massacre la saline. Donc c'est même laboratoire ça travaille toujours. Donc en attendant que lumière fait sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, et Stanley n'a prêté connecté tout update qui gagne, tout rebondissement qui gagne, et pour nous parler sous lui, pour nous faire débat, pour nous éclairer l'interne moun yo, pour yo ka mieux comprendre ce qui a passé que l'en Haïti, que aux États-Unis, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. C'est un plaisir, oui, pour nous recevoir Stanley.
Le plaisir est réciproque, Yannick, parce que machine qui n'a pas gommé, et bon, petite machine qui est liée. C'est des oligarques qui milliardaires qui finent piller, finent tout, finent piller d'Haïti qui ont des politiciens restés avec cap travail. Ce sont des blancs qui font partie de l'élite globaliste corrompue qui besoin de voler sac en bataille en ballant mes pays d'Haïti. En bataille en ballant mes pays d'Haïti, nous avons gaz naturel, nous avons iridium, nous gagnons bauxite, nous gagnons l'or et nous avons bagaille qui est les terres rares. C'est avec terres rares là qui vous fait téléphone cellulaire, c'est avec terres rares là qui vous fait machine qui fonctionne avec courant. Donc je vous dis, le président Jovenel Moïse a bâti on l'État côté Gonla, mais qui a contrôlé le territoire national là. Là, aller à l'encontre élite globaliste corrompue. Le président Jovenel Moïse a coupé contrat pour le mettre en usine courant qui a 60 MW dans le Carrefour qui paraît depuis juillet 2021, qui n'a pas refusé de faire marcher, ou bien centrale électrique qui n'a pas de PA, qui a alimenté 6 communes qui paraît, que Dimitri va bloquer pour ne pas marcher, même si la centrale au Cap-là, l'ancienne Philomène. Ça montre que motif tout le président, que l'oligarque Pétionville avec politiciens candidats dans le pays, que les blancs globalistes corrompus qui impliqués dans le crime, qui a essayé de casser, faire couvrir ça. Motif là, c'est un motif économique et n'est pas avant l'État d'Haïti qui fort, qui a défendu l'intérêt, même Jean Salvador avec Qatar Feli. Donc, vous mettez en son marathon qui est lié, et dans ce sens, il faut me féliciter encore Yannick, parce que vous avez fait, même j'en sais de l'autre monde, vous prend 500 000 gouttes, 1 million de gouttes, 2 millions de gouttes, dans mes Ariel, dans mes Matéli, dans mes Boulos ou bien dans mes Vop, et pour casser faire couvrir ça. Donc je vous dis, le fait que vous avez été engagé pour démocratie et justice, respect pour vous, madame. Merci en personne, c'est un plaisir. N'a pas croisé une autre fois encore. À la prochaine. Bonjour, Beno Gembela. Merci. Nous sommes en délit et nous sommes en bon parler là avec Stanley Lucas sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse, rebondissement qui gagne dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et il y a un point et sous ensemble des formations qui a circulé, ensemble des formations et Morvan a partagé sous ancienne première dame de Martine Moïse. Il était extrêmement important pour me joindre et point de vue. Li. Et moi-même personnellement, moi j'étais quoi et bon, si moun considère ces diffamations, tout ça qui gen pour avec diffamation, et c'est rele moun nan la justice, rele moun nan tribunal, et s'il gen des éléments de preuve la vinavel, si ces diffamations la fait, le ça, la justice a tranché. Et c'est une pratique que en Haïti non pas gen. C'est une pratique en pile nèg pas gagné en dedans la République, et c'est une bagay qui mette pays en côté li là. Vous comprenez? Donc, Morvan dit le pare, si Martine est décidé de rele la justice, li pare, Morvan nan gran pays, Martine nan gran pays, yo kon sa diffamation. Eh bien, nous-mêmes, nous là pour nous suivre déroulement, pour nous suivre ce qui a passé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Pas bon côté pays États-Unis, nous, ouais, qui est avancé, qui a fait dans le dossier Jovenel Moïse. Et c'est toujours, j'aimerais me dire, c'est un petit pas en avant lié. Parce que ça qui vraiment, ça satisfait l'intérêt, population, intérêt, pays d'Haïti. Ça qui arrive, mettez calme, mettez stabilité, ramenez pays en stabilité, c'est lumière qui peut faire sous dossier Jovenel Moïse. Qui est-ce qui tue Jovenel Moïse réellement? Qui est-ce qui finance? Parce que, Rodange, parler de $80,000, $80,000 qu'a touillé un président. Et 20 millions, c'est lui-même qui te gagne l'argent, qui te gagne gros l'argent disponible, qui mette l'argent disponible pour touiller président Jovenel Moïse. Qui quantité l'argent te mette disponible? Qui quantité l'argent Walter 20 millions te investi? Ça, c'est extrêmement important. En Haïti, tout le temps, il y a des oligarques corrompus qui participent dans tout le Jovenel Moïse. C'est pour la justice et le travail. Premier ministre Ariel Henry, il y a une relation présumée avec, avec Badjo Félix. C'est pour la justice et le travail. D'autant nous avons une justice corrompue, nous avons une justice qui faible. C'est tout normal pour suspects en cavale depuis pour Genegla qui en cavale depuis plus de 19 mois. Oui, dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Bon, 19 mois, Jovenel gen 19 mois. Nan assassinat président Jovenel Moïse, yo pa jam jwenn yo non. L'opre Badjo Félix, combien de temps Badjo Félix gagne depuis le marron? Et pas 19 mois, combien de temps président Jovenel Moïse gagne depuis yo touyel? Combien de temps gagne soupçon qui pesait sous le premier ministre Ariel Henry? Au contraire, depuis là Ariel li renforce la position. Depuis là Ariel pi confortable dans position. Donc faut plus mieux en fait son ensemble de dérives qui gagne en deux dans l'état et gros bagaille qui a passé là ces derniers temps. Gagné et OPC qui c'est Office Protection Citoyen, Renan Edouville qui c'est Protecteur Citoyen,
li mande CSPJ pour CSPJ retourner sous dossier magistrat qui pas certifié yo. Alors que CSPJ n'a attribution yo pas gen yo n'a attribution CSPJ yo magistrat yo pas ka faire recours encore devant CSPJ parce que c'est CSPJ qui prend décision pour yo pas certifié moun yo. Donc li pas ka à la fois juger parti. Est-ce qu'on comprend? Donc je ne dis là c'est qui rôle protecteur citoyen gen vraiment. Yo parle de moun qui pas certifié. Yo parle de moun et qui nan corruption. Yo parle de moun et qui participait nan voler et cadavre et qui participait nan voler et pièce à conviction sous cadavre. On juge de paix, li rive sur une scène de crime, là ils font constat, li fourre men nan poche victime nan, li vole bijou victime nan, li prend l'argent victime nan, etc. Donc moun sa yo faut arrêter dans le système là. Moun sa yo, faut que nous continuions à faire manœuvre, à faire dilatoire pour arrêter dans le système là. Jamais au grand jamais. Jamais et au grand jamais. Journée aujourd'hui, là, si vraiment nous voulons faire pays, faut que justice soit fort. Faut que justice soit fort. Faut que gagne équité en deux dans le système là. Faut que pas justice en journée aujourd'hui. Son justice cassé fait recouvrir sa lié, laissez grand nègre, gros autobria, gros paletoa qui volait, tout le monde ferme les yeux sous lui, laissez lui participer dans l'assassinat, laissez lui responsable pour blanchir l'argent kidnapping, laissez lui faire trafic drogue, laissez lui faire trafic stupéfiant, laissez lui faire trafic d'influence, tout le monde ferme les yeux sous lui. Mais laissez ti malheureux qui volent poule, qui volent bœuf, qui volent sac de riz, ou c'est, mettez caoutchouc, vide gasoline, passez à lui mettre. C'est fait le fait et dit c'est fait le fait 3 mois 4 mois 10 mois en prison seul pas jamais passer devant juge prend 2 ans 3 ans 5 ans prison alors que s'il était passé devant juge peut-être tu t'es condamné pour 2 ans pour 8 mois pour 1 an c'est ça nous voulons comme pays d'autant nous pas une justice qui fort d'autant pas une équité d'autant pas un respect principaux d'autant la justice pas fonctionner j'ai bandé tout bon nous pas jamais faire pays et dossier assassinat président Jovenel Moïse sont l'autre occasion pour nous faire faiblesse système non sont l'autre occasion pour nous faire faiblesse pouvoir judiciaire là sont l'autre occasion pour nous faire niveau corruption qui gagnait en dedans l'état en dedans pays donc par au côté pays États-Unis et gagne des manches qu'a fait et dangereux qu'a bien pour venir là yo quatre présumés suspects ça yo a bien pour yo paraître et devant juge pour yo li ak d'accusation pour yo konnen ki chef d'accusation yo retenu kontyo gade depuis qu'il 19 fois depuis yo assassiné président Jovenel Moïse gen colombien là mis à part de German Rivera avec Palacios qui trouvé au nan moment là aux États-Unis colombien ça yo pas jamais paraître devant juge droit yo violé droit yo lésé mais qui pays nous voulons faire et puis nous voulons gen justice nous voulons pays bien fonctionner etc. Bon, nous pral mettre en fin dans émission mais bien avant faut que nous nous et faut qu'on ait qui ça qui priorité faut qu'on ait qui ça qui priorité chercher priorité dans moment là parce que ou regarder ça qui a passé aux États-Unis ou regarder ça qui a passé par bon côté pays Canada gagné et jodi en 15 2016 là c'est gros réunion j'aime ça dire là tout à l'heure qui a fait en Bahamas qui a fait dans le pays Bahamas pour qui ça sous situation haïtienne en réunion et non réunion carré comme a fait c'est occasion pour Justin Trudeau pour le pencher sous situation haïtienne pour l'autre fois encore pour le renouveler bonne volonté le compassion le grâce li pitié rien pour peuple haïtien dans aider nous faire bon choix politique yo dans guider nous et dans ça qui gain pour avec plan sécuritaire dans kembe men nous dans ça qui gain pour avec aide humanitaire ba nous. Donc Haïti c'est pays nous si nous voulons faire pays c'est depuis qu'on y a pour nous penser positif c'est depuis qu'on y a pour nous agir positif pour nous ka gagner un demain meilleur pas seulement pour nous mais pour génération k'ap gagner pour venir. C'est un plaisir pour m'être avec vous pour m'porter émission pour vous. Pas négliger pas hésiter sous pourquoi abonner à la chaîne là abonner activer la cloche notification partager vidéo un maximum de commentaires un maximum de partage derrière micro présentation m'a rappelé c'est toujours même Yannick la même voix n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.
pral fè débat.